L'IA, même si aujourd'hui elle n'est pas autonome, et on espère qu'on continuera à la maîtriser, cette IA générative, elle doit être accompagnée par une charte d'éthique qui permette de s'assurer de son développement vertueux au sein de l'entreprise. ChatGPT peut apparaître comme un super stagiaire à qui on déléguerait les tâches besogneuses. Il ne fonctionne pas du tout comme un stagiaire, on a toujours besoin de l'intelligence humaine pour rédiger le prompt, la demande, qui va permettre d'obtenir le bon résultat. Il ne fonctionne pas non plus comme un moteur de recherche, c'est un moteur d'autocomplétion. C'est la capacité à prolonger un mot par un autre qui permet de générer du texte en réponse au prompt. Une fois qu'elle est bien entraînée, cette intelligence artificielle générative, ces larges modèles de langage, vont s'améliorer tout seuls. C'est leur grande force par rapport à un simple algorithme. L'IA générative ne génère pas seulement du texte, elle génère aussi des usages. Pour vérifier qu'ils sont bien en accord avec les valeurs de l'entreprise, une charte éthique de l'IA peut poser des principes. Elle va évidemment être établie au cas par cas, mais on peut dégager quelques grandes idées. D'abord, la supervision humaine, ou toujours un humain dans la boucle. Ce n'est pas l'IA qui valide le raisonnement humain, mais le contraire. L'IA générative peut écrire n'importe quoi, elle est victime d'hallucinations. Il est important de relire et valider. Deuxième principe, la non-discrimination. En fonction des données dont on l'alimente, l'IA générative va pouvoir accentuer la discrimination de genre, d'ethnie, de handicap. L'inclusion doit être pensée et humainement soutenue. Ça va être particulièrement important dans des IA qui facilitent le recrutement, par exemple. Troisième principe, le respect de la vie privée. Ce principe va pouvoir se décliner dans une approche de gouvernance des données qui s'appuie sur le RGPD comme référentiel qui s'applique partout dans le monde où l'IA est entraînée ou utilisée. Respect des droits d'auteur, c'est un point dur qui est particulièrement discuté dans la négociation actuelle sur le futur règlement européen IA. Et pour cause, l'IA ne donne pas ses sources. Si on utilise ses propres données, ou bien des données ouvertes, on a moins de chances de porter atteinte aux droits d'auteur. Cinquième principe, la responsabilité sociale et environnementale. Il s'agit de trouver un équilibre entre une performance raisonnable et une consommation énergétique. Ce principe de RSE peut aussi se décliner dans la chaîne de sous-traitance pour s'assurer que les travailleurs du CLIC soit couvert par une bonne protection sociale et ait des conditions de travail dignes où qu'il se trouve dans le monde. Enfin, sixième principe, responsabilité et transparence. Quand on utilise une IA, il faut le dire et définir des responsabilités tout au long de la chaîne, savoir qui est responsable de quoi. Cette charte d'éthique, elle va s'inscrire dans un contexte beaucoup plus large de transformation de l'entreprise. Cette réduction du temps des tâches générée par l'IA, forcément, s'accompagne de très profondes réorganisations du travail. Il faut la penser comme un moyen d'augmenter l'humain, pas de le remplacer. On va devoir former, sensibiliser, grâce à des ateliers qui vont faciliter l'appropriation. L'IA, même si aujourd'hui elle n'est pas autonome, et on espère qu'on continuera à la maîtriser, cette IA générative, elle doit être accompagnée par une charte d'éthique qui permette de s'assurer de son développement vertueux au sein de l'entreprise.